Quand je sors de scène ou que je partage un compte sur Internet, on me demande souvent si c'est moi qui l'ai écrit. Alors non, je n'écris jamais mes histoires. Je raconte toujours des histoires issues de la tradition orale que j'ai découverte, comme je pense la plupart des gens qui racontent, dans un recueil de contes. Oui, mais ces recueils, qui les a écrits? Dans quel contexte? Et pourquoi faire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce troisième portrait, je voulais partir à la rencontre d'une figure féminine et contemporaine de la collecte de contes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à explorer la vie et les travaux de l'ethnologue canadienne Carmen Roy. Carmen Roy est originaire de Bonaventure, en Gaspésie, où elle naît le jour de Noël 1919. Alors pour les deux du fond qui, comme moi, sont un petit peu limites en géographie canadienne, la Gaspésie, c'est une péninsule canadienne longée au nord par le golfe du fleuve Saint-Laurent, et au sud par la baie des Chaleurs. C'est une région qui a connu de très nombreux mouvements migratoires depuis l'arrivée de Jacques Cartier, entre la population autochtone des Micmacs, les Français, les Anglais, les Belges. Carmen Roy s'intéresse très vite à la littérature. Elle publie des poèmes dans un journal local sous le pseudonyme de Mousse des Bois. Après son baccalauréat, elle intègre l'université de Laval, où elle rencontre en 1947 celui qui deviendra son mentor, Marius Barbeau, rien de moins que le fondateur de l'anthropologie au Canada et au Québec. Carmen Roy se passionne pour cette discipline, le folklore, et elle décide d'effectuer une vaste collecte de contes, de chansons, de remèdes traditionnels et de superstitions dans sa région d'origine. Elle va à la rencontre de la population locale, elle interroge les anciens, elle prend des notes, beaucoup de notes, elle met en avant l'héritage aussi de la culture autochtone Micmac, en contact des différentes vagues de migration, qui constituent un mélange très particulier à cette région. Elle obtient deux bourses d'études pour aller terminer son doctorat en France, à la Sorbonne. Et elle publie ses contes populaires gaspésiens en 1952, juste avant de soutenir sa thèse sur la littérature orale en Gaspésie l'année suivante. Elle devient au passage une des premières, si ce n'est la première gaspésienne, à obtenir un doctorat. Elle poursuit son travail au Musée national du Canada, où elle développe la section folklore. Elle devient chef de section, puis directrice. Ses archives personnelles sont encore conservées là-bas et constituent un fonds très complet et prestigieux. En 1977, elle devient la première déléguée scientifique au Musée national de l'homme, Musée nationaux du Canada. À sa retraite, en 1984, elle continue ses recherches au Musée national, jusqu'en 1992. Elle meurt en 2006, à l'âge de 86 ans. Mademoiselle Roy, comme l'appelaient ses collègues du musée, a vraiment marqué sa discipline, même si son travail a beaucoup été éclipsé par la figure de son mentor, Marius Barbeau, et d'un autre géant de l'ethnologie, Luc Lacourcière. Elle a pourtant introduit une approche très différente et peu conventionnelle de sa discipline. Carmen Roy a abordé le folklore avec une vision très dynamique, pas du tout figée de la culture populaire. Pour elle, collecter, conserver et diffuser la tradition orale comme on l'envisageait dans le milieu de l'ethnologie classique, c'est la base, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Pour la citer, les faits folkloriques sont désormais abordés non plus uniquement sous l'angle de leur histoire, de leur passé, mais sous celui du milieu social, afin d'y observer le rôle qu'ils y jouent et de dégager la fonction qu'ils y remplissent. Le folklore, c'est pour elle une discipline à part entière. Une façon de comprendre aussi les mutations de la société canadienne à travers les différentes cultures qui la composent, y compris celles qui sont arrivées plus récemment sur le territoire. Elle est aujourd'hui considérée comme une pionnière dans sa discipline et une des rares femmes aussi de son époque à avoir atteint de telles responsabilités dans un milieu universitaire très masculin.
Je regrette beaucoup de ne pas avoir pu lire de contes issus de sa collecte pour préparer ce portrait. Alors, la prochaine fois que je pourrai consulter le conte populaire français de Delarue et Ténèze, je serai beaucoup plus attentive aux contes qu'elle a partagés. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire de cette grande dame de la tradition orale francophone, mais je vais m'arrêter là pour cette fois. Comme d'habitude, je mettrai en description les liens vers les articles qui m'ont servi de source pour ce portrait forcément très succinct et quelques entretiens radiophoniques aussi qui ont été faits à son sujet. N'hésitez pas à aller les consulter. À très bientôt!